Je me souviens des heures d'entraînement avec mon père, après la fin de la peste. Il disait qu'un jour, nos ennemis allaient essayer de s'en prendre à moi. Les sons et les odeurs ne changent pas beaucoup à Dunwall. C'est ma ville. Je me demande ce que Père m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui. Allez-y, Votre Majesté, montrez-moi ce que vous savez faire. Glisser en dessous pour passer. J'ai réussi. Tu vas devoir sprinter, franchir l'obstacle et enfin glisser. Bien, c'est bon. C'est quoi la suite ? Je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter. Testons mon agilité. Approche. Tu as bien retenu la leçon. Voyons si tu sais te faire discrète, jeune fille. Père n'arrête pas de parler de discrétion et d'approche furtive. Non, recommence. Il ne faut pas que je te voie. J'ai fait trop de bruit. Passe derrière l'ennemi sans te faire repérer et étrangle. Assez discret à mon goût. Oups, je me suis fait repérer. La fille de son père.
Voyons si tu sais te faire discrète, jeune fille. Au bout d'un moment, l'ennemi finira forcément par te repérer, même si tu es à la limite de son champ de vision. Il n'a rien vu du tout. Comme dirait Corvo Atano, caché comme un secret, calme comme le couchant. N'oublie pas, ton pistolet va réveiller tout le monde. Ton arbalète, elle, ne fait aucun bruit. On va passer au combat et au maniement des armes. Prête à échanger quelques coups avec ton père ? Ouais. C'est bien. Tu frappes fort. Allez. Joli coup. C'est bien, ma fille. Quand quelqu'un te lance un coup d'épée, bloque-le. Bien. Beau travail. Très bien. Tu as un instinct naturel pour le combat. Si tu bloques au bon moment, tu peux déséquilibrer l'adversaire. Tu es rapide. Bien joué. Ça devrait arrêter net les assassins les plus déterminés. Tu peux étrangler un ennemi et le neutraliser, même en plein combat. Profite de son déséquilibre pour lui porter le coup fatal. Je suis rassuré de voir que tu sais te défendre. Quand l'affrontement devient inévitable, pas le choix, il faut se battre.